Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va, fou? Ça va très très bien et toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit deck mono rouge. Oui, je sais. Oh non, mono rouge encore, on l'aime pas et tout. On l'a déjà présenté sur ça le chat et fait tout. super longtemps. Ça fait longtemps qu'on l'a pas présenté et en plus, c'est pas le même. Il y a deux dragons d'Orpon. Non, mais c'est pas la même chose. Il y a aussi les morsures de gel, il y a les montagnes enneigées, il y a la haute visage. Et c'est important aussi de présenter des decklists monocolores parce que déjà, ça permet aux gens de crafter des decks compétitifs un petit peu mieux que des decks budget assez facilement. Et Parce puis que en les ce normes ne moment, sont pas rares, ouais. En plus, et puis sauf le Havre sans visage évidemment, mais tu vois, ça reste un upgrade à un deck compétitif que tu as crafté, qui ne te coûte pas le prix d'un deck Yorion Sulta Pas les jeux de la Ultimatum tête. par exemple. Donc ça c'est très très bien. Et puis en plus, le deck fait l'actualité en ce moment, comme on l'a dit. La stratégie agressive a pris un petit peu le pas en cette troisième semaine de Kaldheim et a commencé à rosser un petit peu tous les tournois, notamment tous les qualifiers Star City Game. Et le huitième qualifier Star City Game a carrément mis 4 copies de mono red dans son top 8, ce qui est quand même assez énorme dans un méta qui n'est pas encore solve, pas défini et tout. 4 copies de mono red, c'est-à-dire qu'ils ont écrasé le tournoi. Et quand tu vois la liste, moi qui me plaît beaucoup parce qu'elle est un petit peu plus. Avant, on jouait mono red très agressif. Là, maintenant, elle est un peu plus ce qu'on appelle chunky red ou un peu big red comme en pionnière. Elle est un petit peu plus mid-range, un petit peu plus late game, notamment avec les dragons d'Orpon, avec les morsures de gel qui font de la gestion, les 4 impacts fracasse crâne, pardon. Et franchement, ça fait super longtemps qu'on n'a pas joué cette decklist et je pense qu'elle va être vraiment cool à jouer. Yep, bah carrément. Decklist de la régalade qui en plus a le mérite d'être jouable autant en BO1 qu'en BO3. BO1, on a regardé un petit peu, apparemment c'est parmi les meilleurs decks mono red. Bah, comme C'est ça. souvent hein, d'ailleurs, de toute façon les decks aggro en BO1 c'est très bien parce que très proactif. C'est ça. Donc cette decklist là pour le coup, si vous êtes joueur de BO1, vous pouvez juste enlever le side et vous la jouez telle quelle. En BO1, ça marchera très bien C'est aussi. ça, quand vous n'avez pas le temps de jouer en BO3, et si jamais vous avez un petit peu plus de temps pour vous poser devant votre PC et que vous voulez des games un tout petit peu plus compétitifs, vous pouvez rajouter le side et du coup partir en BO3. C'est vraiment le top craft en fait ce deck-là, parce que ça te donne un deck compétitif et pas très très cher que tu peux jouer à la fois en BO1 et en BO3. C'est vraiment de l'ordre de cycling, cycling budget, qui en fait en plus cycling en mode vraiment compétitif. Te coûtera peut-être un peu plus cher parce que tu vas devoir crafter des lands et compagnie. Alors que là, si tu joues depuis longtemps, tu as déjà les cartes d'Eldraine qui design ce deck mono red. Donc vraiment très très bien. On va en profiter pour rappeler que vous pouvez du coup nous soutenir en laissant un pouce bleu sur cette vidéo, partager dans les commentaires, partager la vidéo, vous abonner et activer la cloche. Vous pouvez aussi dérouler la description pour rejoindre notre Twitch où on est en live et 4 à 5 fois par semaine. Et puis aussi nous soutenir sur Tipeee pour toutes les bourses et ou alors de manière gratuite. Donc voilà, merci à tous ceux qui le font et merci à tous ceux qui le feront. Exact, merci beaucoup à Plain, by Magic Bazaar aussi, notre sponsor qui régale toujours autant. Code ValetPL 2021 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires. Les points de fidélité, ça vous donne des bons d'achat de 5 euros par millier. Voilà, je pèse mes mots. Et ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui ont utilisé le code ou qui l'utiliseront parce que ça nous soutient directement. Et ça fait encore plus plaisir. Et code créateur Magic Arena FR sur la boutique Epic Game Store. Ceux qui veulent te régaler. Cette decklist, bah, t'as déjà un peu tout dit. Les ajouts, donc le dragon d'Orpon qui va midrangiser, qui va être un bon top deck, qui va faire des trésors si on a envie de jouer un autre spell derrière, et notamment l'Ambercleave, puisque ça. deux mana rouges avec le trésor, ça permet de jouer l'Ambercleave si on a au moins 4 Trois créatures autres créneaux, attaquantes, enfin c'est ça. 3 autres. Et ça arrive souvent, notamment avec les Ça arrive totems souvent, ouais. d'Amex. Ça permet aussi de jouer soit l'effet de l'aventure de Chevalier Étrange Rock, le géant Krakos ou la morsure de gel potentiellement avant les bloqueurs. Morsure de gel aussi, bah, un bon anti-bet début de partie, puisqu'on va jouer que des montées enneigées et des haletants visage, donc dès le tour 3, ça met 3. Un Planeswalker ou une créature, très très bon, et au pire, c'est un choc pour un mana pour les bêtes, donc c'est pas mal aussi. Le reste, c'est du classico. Chevalier de Frangois qui revient, qui n'était pas forcément là tout le temps dans les Non, versions de ça a Monored. un intérêt avec Dragon d'Orpon, comme tu l'as dit, parce que ça va te permettre de générer du mana. En gros, quand Et tu tu joues le sur cibles. l'aventure, tu gagnes plus un mana, en fait, théoriquement, avec le trésor qui fournit 2 mana. Donc c'est plutôt bien. Il n'y a que le Torbran qui est en 2 exemplaires, qui est un peu contre-synergique, parce que c'est vrai que on pourrait être peut-être léger un peu en source de rouge si jamais on trouve 2 Havres sans visage avant le tour 4. Ça reste des scénarios qui sont très très rares, très peu probables. Moi, ce que Qui j'adore vont dans arriver cette dans cette liste, qu'elle vidéo. est. Non, je pense pas. C'est qu'elle est très très bien curvée, quoi. On a 8 drop 1, 8 drop 2, 8 drop 3, dont un qui peut être joué en tour 2, comme le géant Krakos entre guillemets. Et puis derrière, après, t'as ton haut de curve très patate, Torbran, Dragon d'Orpon. T'as quand même de la ressource en late game parce que Havre sans visage, ça va mettre les derniers points. Les 4 impacts fracasse crâne qui te permettent du coup d'avoir une decklist à 20 lands, mais à 24 pour le côté midrange, dû à sa capacité à être un dual face land, et en même temps à gérer le board et tout. Je pense que cette decklist-là, c'est extrêmement puissant. Ouais, Sweet Arrows, comme on dit. Sweet Arrows.
Petit side, bah, de la gestion d'artefacts, il y a toujours des Tybalt forcément et des C'est Cromlech ça, qui se baladent. Cromlech, ouais. Prophétie de feu, plus de gestion. Vortex bouillonnant, très intéressant. Ça y est, on joue cette carte parce que les coquins qui veulent jouer des ultimatums, du coup, ils prennent 10 dégâts quand ils cassent leur ultimatum. C'est Et même ça. s'ils ont ultra rampé, ils le castent tour 5. Bah, tour 5, ils ne peuvent pas prendre des dégâts. Donc Non. généralement, ils ont déjà pris 10, donc en fait, ils sont juste morts C'est ça. s'ils tentent. Donc c'est vraiment très très bien comme carte. Et en plus, ça leur empêche de gagner des points de vie, potentiellement certains decks, certains Yorion Doom peut-être, qui voudraient faire des dingueries. Pierre de Rune érodée, bon, ça juste shutdown tout ce qui est cimetiéreux. Phénix des cendres, il y a encore des rogues qui se baladent, donc c'est bien d'avoir une créature qui revient au cimetière et qui exile les cartes de votre Ouais, c'est bien cimetière. quand les jeux contrôlent aussi, histoire d'avoir de la On contrôle récursivité, ce qu'on aussi, ouais. appelle un peu de la résilience, et pouvoir du coup continuer à attaquer en late game quand votre adversaire a géré vos ressources, une ressource supplémentaire qui revient régulièrement. Ouais. Garde Akros, ça va être bien en Mirror, ça va être bien contre Gruul, ça va être bien contre tous les decks Surtout midrange qui contre jouent des bêtes. les jeux aggro base verte, quoi. Paladin de Brezhoret, je ne sais pas ce qu'il fait là. Ça, Je j'avoue que j'ai aucune sais idée. pas exactement, j'imagine que sur le play, ça doit mettre d'énormes patates, et c'est C'est d'une probablement pour 5-2 ça que c'est joué. célérité. Donc, à mon avis, ouais, contre les decks qui jouent pas de bêtes, bah, souvent les decks contrôlent, hein, finalement. Ça met une énorme patate. Et 3 buts de la Lagonnase, bah, ça va avec les Phoenix C'est un contre peu les la hache de decks. lave du deck, quoi, le paladin de Brezhoret, Ouais, et c'est ça ça. peut mettre beaucoup de points, donc pourquoi pas. C'est vrai que contre un jeu qui joue que des anti-bêtes et qui sont pas forcément des chocs ou quoi, c'est 5 de patate qu'importe l'endurance, quoi, pour 4. Donc C'est pas mal. c'est juste super bien. Ça sauce bien. Et on va partir tout de suite. T'es parti en B1 ou pas? Tu verras. Voilà. C'est important parce que dans la vidéo d'avant, tu m'as fait prendre une coche qui ne sert à rien. Je veux prendre la deuxième. J'ai lancé un BO3. Mais la game de trop, elle sera en BO1. Aïe 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 aïe. Bon, je garde ça. C'est mouligan. C'est gardé. On va enlever une morsure parce qu'on sait pas ce qu'on affronte et que des fois bah, la carte est morte en fait. Hein. Moi, je regardais deux morsures. Ah, on nous dit bonjour. On va être Bonjour. poli, on va dire bonjour aussi. Ah, peut-être un mirror d'ailleurs. Izet Tempo ou Mono Red? Mirror. Ou tes murs. Je joue pas neigeux. C'est gratuit, je veux des jeux. Eh non, Et non, il y a Redan. il y a Redan. C'est pas gratuit. Mouloren. Ok. Je tue pas, hein. Si, parce que si tu fais voleur des riches, il bloque et trait. Enfin, bloque et tue. Oui, c'est vrai. Mais je me suis dit qu'il allait nous morsure notre voleur. Mais au Ah, cas où il l'a pas, il faut aura mieux gérer peut-être Batayar. morsure, mais. Mais nous, on va quand même tenter, en tout cas. Ah, c'est le gameplay que j'aime, ça. S'attaquer ou pas? Bah, Je il crois a une pas. réponse, il a la main. Oh! Bah, il a Ah, pas la ben bah, il a morsure. peut-être ça dans la main, du coup. Ouais. On a piqué quoi? Un land, c'est ça? Un havre, ouais. Ok. On est Bah, sur de s'il la tue pas, draw. c'est qu'il a vraisemblablement chevalier dans la main. Ouais. Petit indice. Parce que tu peux cibler même une bête adverse avec chevalier, c'est Ouais. ça? D'accord. Aïe aïe aïe, le géant Krakos qui Krakos. fait mal. On va voleur Ok, ici. on va voleur chevalier. Hein. D'abord voleur. Parce que j'exile. Une bonne carte. Bon exil. Et on met 4 points. Ouais. Il a Là, toujours 3 cartes en main. il va descendre son bon Crusher Giant, je Potassium, pense. hein. Du coup, nous, on pourra trade avec notre chevalier, reposer un chevalier. Quoi? Il a pas le troisième land? Oh, ok. Ok, nice. Il peut pas bloquer, donc tu peux encore le bourrer avec chevalier. Ouais, je vais chevalier là. Bon, bah, juste vois ce que tu lui piques, mais. Très très fort, voleur des riches. Hein. Encore un land, donc Encore un tant land. mieux. Ou je fais double bête. Peut-être double bête c'est mieux avec Tybreez et l'autre qui est là. Ouais, peut-être, c'est vrai que. Dans cette dynamique-là, au moins, t'es sûr de pouvoir Tybreezer le Surtout tour s'il d'après. trouve land Jean Krakos. C'est ça. En fait, les deux landes que tu lui as Nice. piquées avec voleur, bah, ça vient de le mettre dedans, quoi. Ouais. Totalement random. Tant mieux. Il a trouvé le troisième land, donc il avait deux landes au-dessus du pack. Après, moins il en pioche, plus il a de chance d'en trouver au-dessus, c'est normal, hein, c'est les ratios, c'est les stats. Il met du board. Ouais, mais on s'en fout un peu. Allez, Landbourg. On va jouer Encore un sa land. propre Tybreez. Bah attends, on va attendre les Je peux la bloqueurs. jouer n'importe quand. Ouais, c'est ça.
Je mets là-dessus. Pourquoi? On préfère pas tuer un voleur des riches? Ben, je le tue déjà. Alors que là, je meurs. Ah oui, ok, d'accord. Ok. Oui, effectivement, ça te permet de garder au moins une bête. Ça met un peu plus de points. Un point de plus. Bon, je crois qu'il... Ça va Bon, être c'était très compliqué. pareil. C'est compliqué pour lui de s'habiliser ici parce que même s'il a un anti-bet sur Chevalier de Fangeroi, qu'on a déjà une Tybrest qui est setup, ouais, c'est le gain. Et c'est le gain! Oh, le gain! Alors après, side. Monsieur le gain. Prophétie de feu, x3. Ouais. Garde à Kroos, si on Non. joue un peu mid, Moi, non? je pense pas. Bah, franchement, Killing bet, c'est fort, hein. t'as envie de prendre que Thorbrand et Dragon d'Orpont, mais c'est-à-dire que du Bah, je coup, pense que tout ça, t'as envie de prendre, non? tu rentres une seule carte. Piquer un géant, piquer un Anax. Bah, ça dépend ce qu'on a à sortir, en tout cas. Si t'as assez de... Je crois qu'il Ouais. faut enlever les champions fervents dans le mirror déjà. Ouais, tu peux rentrer la quatrième guerre et enlever les champions et mettre aussi un phénix. Phoenix pour passer au-dessus. Ah, ça, peut-être c'est. Ah non, c'est un rituel, donc ça sert à rien. Ouais. On est sur la draw. Du coup, même voleur des riches, c'est de la merde. Hein. En vrai, faudrait même rentrer d'autres cartes. Faudrait enlever voleur des riches et jouer des buffles et des trucs comme ça. Tu Ah, peux enlever. buff, c'est nul. C'est nul. C'est des buffs Bah draw non, 3, parce qu'en quoi. fait, en mirror de mono raid, après side, c'est un peu qui est le plus contrôle qui va gagner. Genre, c'est que même en pionnière, tu laissais commencer l'adversaire, tu faisais que de la gestion jusqu'à arriver en late game. Et genre, bah, buff, ça va gagner. Alors que là, voleur des riches, t'es sur la draw, t'as une carte de plus, donc c'est pas toi l'agresseur et tu piocheras jamais avec ton 2-2. Ouais, après si lui aussi rentre Phoenix, c'est porté, hein, ça bloque ça. Ouais, mais c'est corner case de ouf, quoi. Enfin, je pense qu'il faut pas jouer les voleurs sur la draw, c'est sûr. Dans le mirror, en Ouais, tout cas. mais s'il n'y a pas de meilleur cas. Je Mais si, trouve il y a que buff. 3 buffles c'est mieux. Ouais. Franchement, ouais. Je suis pas sûr, mais je vais le faire quand même. Bah, c'est de ma connaissance parce que j'avais pas mal joué en pionnière Ah mais là, il y a Ygritte quand et tout. même. Enfin, on a quand même plein de cartes caca, tu vois, on a les 1-1 pour 1, alors que toi tu joues pas ça en. Ouais, mais ça trade. Ça fait anti-bet sur certaines de ses bêtes. Ouais. C'est le plus big qui gagne après ça. Mulligan. Alors les interactions, je suis d'accord. Mais les bêtes, je sais pas. Alors, en tout cas, voleur des riches, c'est Enfin, vraiment un rentrer truc. des 4-2. Voleur des riches, c'est vraiment rien, malheureusement. Je crois qu'il faut la mulligan, mais elle est presque fonctionnelle, quoi, s'il est pas trop patate. Non, vas-y, Bah si enlève. on trouve land, on fait un tour 1 et plus rien. Donc Ouais. ah, ça c'est Ouais, bien. elle est top. Et Torban dégage. Non, buff, ça sera mieux que notre 2-2 qui fera rien. Ok, lui, il joue Cerber d'Arcum, donc il a pas trop envie de faire la course au grind, plutôt essayer de mettre les points. Ouais, il joue main deck, je pense. Oh ouais, mais il les a pas décidé quoi. Alors que c'est. Après, il commence, donc tu peux avoir envie de faire la course, quoi. Bah, normalement, tu perds quand même à ce petit jeu-là, quoi. Sur deux sorties fonctionnelles, je sais pas. On va lui laisser tous ses tours, hein. Je Ok. l'ai bloqué. Je bloque ça et je tue ça. Ouais, exactement. C'est bien. Oui, c'est bien. Mais gros, je crois qu'il connaît pas trop le match-up, à mon avis. Du coup, Je là, tu tuerai peux ça. juste. Mais maintenant, hein, parce que si jamais il te. Ah non, ça met 3. Ah non, tu préfères qu'on géant? Ah ouais, tu es géant sur Sarah 01, ouais. Ah bah, du coup, ouais. Parce que Prophétie, ça va attraper son Anax du tour 3. Donc ouais, autant géant maintenant. Là, il fait Land Anax. Et nous, on peut ou poser notre Anax, mais du coup, on risque de prendre Lumbercleave. Donc je crois qu'il faudra faire Prophétie. Ouais, c'est bon. Et tu vois, nous, on va faire que gérer. Lui, il pose. Quand il a plus de board, nous, après, on arrive avec nos pâtés et on gagne la game. Je tue maintenant? Ouais. Ouais, parce que sinon, il peut Lumbercleave. Et tu bottom ton Amber Cliff, je pense. Elle est loin. Ouais. Parfait. Je me disais, dans mon orcon, peut-être c'est plus loin, parce que j'ai déjà des bêtes pour réduire le coût de Numbercleave, tu vois. Moi, j'aurais quand même gardé Dragon d'Orpon. Je pense qu'on a la bonne ligne là. Il a tous ses tours, hein. C'est insane. Ok, top. Pas Anax. Hein. Land. Et là maintenant, faut stabiliser. Si jamais il a Umbercleave, il se passe quoi?
D'ailleurs, c'est un joueur deck Monored qui joue pas le château Umberette. Tu peux pas à cause des arbres sans visage, c'est ça le problème. Okay. Bon, il essaie vraiment de nous prendre à l'aggro, et ben j'espère que qu'on va tenir. Sa dernière carte c'est Umbercleave, on va probablement pas très bien tenir, mais. Vanille. Et là je bloque, je vous attire. Très bien. Bah de nouveau Anax, écoute. On pourra trade à la fois un 1-1 et à la fois un 3-1. Ah non, tu pourras pas trade. Non, ça ne bloque pas. Ça ne bloque pas. Il y a encore un truc. Après, s'il top deck comme un dieu, son Umbercleave, bah GG quoi. J'avoue que 12 cartes. Hein. Ouais, il a une bonne sortie. Mais normalement, t'es censé épuiser ses ressources et après, toi, jouer des cartes puissantes. 4, 5, 6, 7, 5. Je peux bloquer ça encore. Ouais, de toute façon, si l'Umbercleave, on a En fait, perdu. si je bloque, si je trade, je j'ai plus de bloqueur, donc. Ah, je tue même pas sa bête. Ouais. On est quand même mort, je crois. Ah non, tu passes à 1. Passe à 1, bah j'y vais, hein. Ouais. On a 3 là. 1. Et comment on survit une fois qu'on est à 1 là maintenant, par contre? Parce qu'il a trop de board, on n'a pas moyen de clean. Ouais, on Si, a perdu en il vrai. faut retrouver un. Non, parce qu'on a aucun bloqueur. Il y a trois bêtes. Donc déjà, rien qu'en l'état, on est Ouais, mort. on est mort. Bon, allez, tu peux passer à la prochaine. Alors, du coup, maintenant, on prend le play. Tu peux remettre les voleurs. Et tu peux enlever les buffles. Et je mets Mais. Phoenix ou je le laisse. Non, non, Phoenix, quand même bien. Qu'est-ce qu'on enlèverait? Regarde la crosse. Comment on commence? Ouais, garde Akros ou. Ou une gestion? Moi, j'aime pas les draws, j'aime pas les tourins et tout dans le match-up, j'aime pas trop les batailleurs lame-feu, mais ça a le mérite quand même de faire le petit. Chevalier, c'est pas incroyable, hein. Ouais, tu peux enlever un petit chevalier aussi. Je sais que Ok. ça, c'était souvent des sidés avant. Ouais. Putain de temps. En même temps, ça fait un an qu'il y a du Bah, monde rouge. ça bloque pas, donc ouais, ça sert qu'à l'agression, quoi. Mais bon, comme on est sur le play, ils ont déjà un peu plus de sens. Why not? De toute façon, on gagnera la game de BO1, c'est tout ce qui compte. Oh, je gagne la game de Gotro aussi. Ah ouais? Bah, ça serait sympa, oui. Ça va, diamant, Surtout que tu le fais quoi. monsieur, dans un mirror de mono red qui est censé se transformer un peu en red midrange, un peu big red et tout, il a juste laissé tous ses tourins et nous a enculés. Donc, non, quoi. Bah après, il a pas la même decklist, hein, donc peut-être ça marche mieux aussi, hein, s'il en a beaucoup. Tu Non, vois, s'il est c'est. sûr de faire tour 1 et tout. Bah. Enfin, c'est que ça marche, c'est pas juste Oui. on a plus de spells, on va gagner, parce que non, on a perdu. Oui, non, Tu mais vois, c'est d'accord. juste Mais en que fait, des la fois. plupart du temps, ça se En passe fait, comme des ça. fois, il y a de la théorie qui est validée, il y a une vérité théorique qui est invalidée par la pratique. Mais c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'il est dans l'erreur Ah, de peut-être. jouer tous ses tours. Voilà, il est sur la draw, il doit jamais avoir de champion fervent, je suis désolé. Bah, voleur. Hein. Ouais. Oh, il s'attrigue en plus. Oh, Super c'est carte très en bien plus. ça. Ouais. C'est des fois tu joues bien, tu side de bien, mais tu perds. C'est magique, hein. Ouais, c'est sûr. Non, mais je veux dire, si son deck à la base est différent, c'est pas le nôtre. Peut-être que justement son plan de jeu de side, c'est pas le même. Ouais, il a le même jeu que nous, hein, grosso modo. Quasiment. Juste il a pas de dragon d'Orpon, il a une liste un peu plus agressive, je pense. Du coup, lui, il doit passer encore plus en dessous, donc plus rapidement contre les Yorion et contre les Ultimatums, mais du coup, il est censé perdre le Mirror. C'est les concessions que tu fais, en fait. Ouais. Ouh, c'est des bonnes Putain, cartes ça. on est un peu dégueu sur les draws Il de veut voleurs d'Eric. bloquer et booster. Tu peux faire prophétie pour le punir, et du coup il perdra carrément son boost. Mais moi j'aime bien juste développer Anax, peut-être. Non, je prophétie, non. Tu prophéties en Il pourra pas réponse? chevalier, il perd sa bête. Ok, vas-y, vas-y. Oui, on pourra toujours Anax le tour d'après, t'as raison. Je dis rien. Ou un Umbercleave. Ah bon, bah il concède. Ah, il a compris quoi. Eh bah, tu sais quoi, avant de faire la game de BO1, je vais refaire une game de BO3. Non, non, fais une gaine de BO1, parce que sinon la coche elle est perdue. Mais non, elle sera toujours là. T'es Mais si sûr? tu veux, je fais une game de BO1 et je refais une game de BO3 après. Bon, on verra, fais une gaine de BO1, ça dure 20 minutes. Ah,
Franchement, on serait bien malvenu. Ah mais tu sais pas. Attention. BO1 standard, mono rouge. Tu ne sais pas. Franchement, je sais un peu. Nous Moi, j'ai verrons. pas mal joué mono red dans ma vie. Ah ouais? Je connais la durée moyenne d'une partie. Hein. Ça Franchement, se compte en secondes. tu peux tomber franchement sur des Ah, tu peux mirrors faire des games longues, qui se ouais. jouent un peu tricky. Mais là, comme on n'a pas beaucoup de ressources, tu vois, on est un peu big, mais on n'a pas de frénésie, etc. Tu le sais vite quand tu vas gagner ou perdre, quoi. On a les buffles, mais ils sont dans le On a sac. les buffles, je vais garder ça. Ouais, vas-y. Oh, on va le saucer là. Parce qu'on est en BO1. En BO3, j'aurais peut-être mulligan. Bah non, bah. Oui, voilà, parce qu'on est en B1 parce qu'il y a des morsures de gel, c'est ça Ouais, que tu veux dire? voilà. Ouais, c'est clair. Bon, on va les garder, hein. Parce que c'est pas ultra aggro ce qu'on fait non plus. S'il n'y avait pas Taillebraise, on mettrait un peu de temps, tu vois, à tuer. Ouais. On jouerait pas ça surtout, s'il n'y avait pas Taillebraise. Ouais, pas de cette manière en tout cas. Ah! C'est peut-être Très bien. pas un super match-up. Ouais, bon, moi ça. Oh, j'y vais. On n'a pas eu le toss. Non. BO1, très grave. Compliqué. On n'a pas eu la pièce du Ah, coup. mais du coup, ce qui est bien, c'est que la petite coche là qui m'énerve, qui est impair. Même si on perd en vrai, c'est Ah bon bah quoi. juste en aller, ouais. Eh. On va tuer la silençante. Hein. Et on va faire champion fervent. Et on trouve notre quatrième lampe pour toi, Bran. Écoute, on est juste en train de faire notre sortie, ça me fait plaisir. D'ailleurs, t'es même pas obligé de morsure, hein. Tu peux lui proposer Ouais, je vais de. juste attaquer, hein. C'est ça. S'il veut prendre le bloc, tant mieux pour lui, quoi. Bah j'aimerais bien qu'il bloque, qu'il sacrifie Sauveur pour tuer notre bête et gagner des PV, et en réponse je fais morsure. C'est ça. Oh, ce serait trop bien. Non, je pense qu'il a compris qu'il y avait une morsure. On a dû laisser des Ouais. stops. Bah par contre, tu peux tuer silencieux maintenant. Bah il va sacrifier Sauveur. Ah oui. Ouais, donc faudra le faire après. Ouais. Ce bon sauveur dévoué. Il n'est pas du coup un sauveteur dévoué. Et non. Ah ouais, lui il a un plan quoi. Hasard à quoi du coup là? Rien. Pour le vieux aîné. Hein. Lui, il joue lifelink, quoi. Ouais. Bah c'est chiant quand nous on joue pour. Bah, pour qu'il sacrifie, qu'on prenne un point de dégâts de moi. On s'en fout, non? Bah, sinon, je les joue pas, mes cartes. Bah si, le tour d'après tu vas attaquer, va bloquer avec un T2-4 et tu vas tuer. J'en ai une autre. En fait, là, faut que je lui fasse enlever le sauveur. Justement, si je veux pouvoir tuer ça. Ouais, ok, vas-y. Et il peut justement se dire, il y a un Trix, du coup je laisse ma silençante mourir. Protéger la Valkyrie. Bon, il protège la silençante. Bon, avec Jean Krakos, on pouvait quand même le passer, même avec le sauveur. On pouvait pas savoir, ouais. On essaye de le trickser. Et là on va faire mort sur géant pour tuer ça 2-4. Ça gagne trop de PV. C'est quoi, c'est dès qu'il passe, je peux lire? Ouais, dès qu'il y a un ange ou un éclair qui arrive en jeu, il gagne des points de vie et l'endurance. Et quand il a 7 points de vie de plus, bon ça ne sera pas actif. Ouais, Toutes les bêtes ont plus de plus t'es 2. obligé de le tuer, t'as raison. C'est relou quand même, hein. C'est relou. Ah mais attends. Les créatures cachent sur ma taille. On pourrait pas cacher. Mais ça marche pas du coup. À chaque fois qu'un arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, fera des Les créatures. créatures. Attends, c'est les effets des créatures. Je peux relire Silençante? Les créatures qui restent en 1 ou qui meurent ne provoquent pas le déclenchement des capacités. Ça, c'est une capacité déclenchée. Ça, bah oui, non, mais je me demandais si elle ne déclenchait pas leur capacité ou si elle déclenchait pas les Les capacités des autres. capacités. Et oui, mais du coup, ça marche pas. Bah, je la tue quand même, de toute façon. Bah J'ai maintenant, de toute commencé. façon, oui. Mais ouais, en fait, on pouvait juste s'en foutre. Parce Ça reste un que. 2-4 bloquant. Dans tous les C'est un cas, tu 2-4, l'aurais mais il nous tué. bloquait pas, donc. Non, c'est clair. Bon, on est mal efficient. Ouais. Ah, il va mourir, lui. Vas-y, tue-le sur les fins de cul. J'ai pas compris là Non, le. moi non plus. Mais je comprends pas son deck. Donc. Allez, joie du B1 hein, des fois. Hein. Attention. Hein. Je ne sais pas, Val. Bah, Là, d'ailleurs, je ne sais Lamfeu, il a la pas. célérité dans quelle situation? Quand il est équipé, donc jamais. Enfin, avec Si, Taillebraise, quoi, mais bon. attention. Taillebraise, tu la mets en phase d'attaque, donc il est déjà pas attaquant. Là juste on va bourrer avec tout, il y en a encore un marqueur. Oh bah Oh là oui, là là. encore plus gagné là. Lolo. Loré. Lélo lélo lélo. Et là, je crois qu'il est mort. Oui je crois aussi. Ah, c'est plus 2, c'est pas plus 3. Mais ça suffit non? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il a 1. Ah c'est dommage.
Il y a un, il peut en sauver qu'un. Moi, je le fais quand même. Bah ouais. Hein. Et on met Jean Krakos et. En espérant qu'il puisse pas gagner assez de PV avec son Heliod. Et s'il veut en sauver un, du coup, il repart au top deck. Dépose son enfante. Ouais, bah Jean Krakos. Je peux mettre deux bêtes, sinon c'est peut-être mieux que Jean Krakos. Ah oui, Mais bah oui, t'as qui. raison, sur Thorbrand, c'est vachement mieux en plus. Oh, Il mais joue ça meurt sur Thorbrand, ça met 3. mono red et on tombe sur mono blanc, gain de PV quoi. Ouais. J'aurais pu vraiment chier chez toi là ce matin. On est passé à ça gros. La game n'est pas finie, Val. Oh là, il peut donner le lifelink à une autre bête. Genre ça 3-1. 3-1. Mais notre Mais là, batailleur, il est mort, là, non? je Parce sais qu'il gagne pas. 6, il va prendre minimum 3. Ah non, il a juste à pas le tuer. Ben ouais, il va juste laisser passer celui-là, mais dans ce cas-là, il perd toutes ses autres bêtes quasiment. Là, il bloque. Là, il la. Ah non, il peut le sacrifier pour qu'elle reste en vie. Il va nous tuer. Il peut pas nous tuer ça, parce que s'il double bloque, il est mort, je crois. Ouais, il peut jamais double Ouais, bloquer. donc je pense que je peux attaquer avec tout, là. Oui, je crois. Oh, on verra, Val, merde. Hein. Je vais chier, je te le dis, hein, fais gaffe, hein. Attention, hein. C'est pas Versailles ici. Attention. Attention, on est à ça là. Commence à me courir sur le haricot cette histoire. Et tu joues champion. Il va donner lifelink. Et protection. Au sacre l'âme, c'est ça? Ouais. Du coup, il va regagner 6 PV. Ouais, mais si à un moment, si. Il va prendre 3. S'il arrête de trouver un actif là, il va prendre Sheroust, non? Ouais, je crois. Il passe à 4. Là, tu fais Jean Krakos. Il repasse à 8. Et joue quand même ton land, on sait jamais. Pourrait t'ouvrir un play. Genre une Trouver autre chose qu'un Tide land, on est bien là aussi. Hein. Bridge. Ouais. Genre, Jean Krakos, c'est létal. Oui, largement en plus. C'était létal, ouais. Là, s'il attaque maintenant. Là, maintenant, il commence à Il gagner 8 commence PV. à, il repasse à 12. Ça, il prend, c'est ça qui bloque pas. Il passe à, il prend 3, 4, 5. Et c'est nul, hein. Maintenant, il peut trade Thorbrand. Ouais, mais s'il traite Thorbrand, nous, on le tue avec Chevalier. Non. Non, non, les mecs 5, il va passer à 12 points de ville. Non, non, mais on le tue, on tue sa silenciante avec Chevalier. Ah oui, ok. Ouais, je crois qu'il faut y aller, hein. Parce que s'il bloque ça, quand il meurt, il perd silençante aussi. Ouais. Go. Je crois. De toute façon, là, si on attend, on perd. Hein. C'est Eliot, je mets des marqueurs partout. Parce que s'il bloque Sacre-Lame Batailleur, il défausse indestructible. Il donne le lifelink. Ouais. Nous, les 3 points, on les met dans sa tête, mais il va quand même gagner les points de vie. Non, il faut peut-être passer le tour, là. Passer le tour, tu penses? Je ne sais pas. Peut-être. Après, s'il pioche que des Là, on actifs. attaque avec tout. En fait, vu qu'il va En gagner fait, tant masse qu'on points n'a de vie, pas il peut Umber, même tant qu'on prendre. n'a Hein. pas Umbercleave, Ouais, ouais, je crois bah que ouais, tant qu'il n'y a ok. pas Umbercleave, on ne doit rien faire. Hein. Je mets même pas un attaquant de plus. Non. J'ai un peu le démon là. Ça me monte. Ah, ça y est, le CAC est présent. Hein. Ouais. Je suis un peu déçu, voilà. Genre, il a stabilisé à 1 PF, quoi. Putain, en plus il pioche des cartes vraiment bien, quoi. Et là maintenant il va pouvoir taper avec sa silenciante, je pense, c'est passé à 9. Mais il meurt sur Umbercleave. Dans tous les Bah, cas, il est je pense toujours qu'il peut mort. pas parce que. Non, à mon avis, il doit pas parce que il doit l'engager pour qu'elle soit indestructible. Mais du coup, il Donc, si a. nous, on a Ouais. gestion. Ok. On peut voleur, chevalier et du coup, essayer de lui piquer une carte, mais c'est pas foufou, quoi. Non, c'est pas très bien. Mais voleur, tu rajoutes juste du bord. En fait, on attend l'Umbercleave. On attend qu'il Ouais. bouge ou on attend l'Umbercleave. Je crois que c'est ça, ouais. Tu vois que cette game de BO1, elle va être bien assez longue. Il y aura Étonnamment. pas. En fait, c'est elle la game de trop. Ouais, Je c'est pensais que la vrai. game de trop, elle arrivera après, mais non. Oh mon dieu. Après, c'est beau comment il a stabilisé. Hein. C'est GG à lui. Hein. Mais ça me fait chier de Merde. prendre mono blanc life PV. Bon, ça va. C'est une 1-1 vigilance. Bien dit. Lifelink. Ah, ça va pas. Ça a activé l'iode.
Du coup, là, il peut attaquer gratuit. Pourquoi il peut attaquer gratuit? Juste avec son Eliode. Avec Eliode, il se donne le lifelink à Eliode. Il peut se donner le lifelink à lui-même? Ouais. Non, c'est une Ah non, autre. c'est une autre. J'ai oublié. Tu m'as fait peur. Attention à ce que Non, tu parce que là, dis. c'était 6, 7, 8, fini. Hein. Et déjà là, on n'est pas loin d'être fini. Hein. Si on trouve pas un Murkrow dans les deux prochains tours, et encore, je suis large. Le prochain tour. Ouais. Mais un Murkrow là, c'est bon, je crois. Les carottes sont cuites. Ah, je pouvais bloquer et buffer. Ça va quoi? Non, je crois que non, il faut juste. Ouais, non, je pense. Ah oui, ça servait à la trade, c'est Ouais, ça? tu vois. Umbercleave. Ambuclivu. Chauffe le dessus du pack. Mets le stop à l'upkeep. On va faire un Genki Dama. On veut un maximum d'énergie là. On l'a pas mis sleeve aussi, voilà. C'est nous qu'on Punition! chie, hein. Punition! Allez, chauffe-y donc là. Fais monter la braise. Pire truc. Est-ce qu'on vit encore un tour après ou il aura trop de PV pour l'Umberclivé? Il va passer à 14 minimum. Voire même 15. Ah, si on bourre avec tout, il se passe Il a quoi? trop de. Il a trop en fait, parce qu'il va juste laisser passer des 1-1. Qui lui met 3 quand même, attention, il prend 6 s'il laisse passer les 1. Bah écoute, on laisse un tour, mais je crois qu'on l'a perdu. Mais je crois qu'il faut pas. Je sais pas s'il faut laisser passer un tour, c'est ça que je te demande. Ah ouais? Si on attaque avec tout, Jean Krakos il le bloque avec Eliode, il fait sacre la Magueri sur genre le voleur des riches, gagne 6 points, mais du coup il défausse, paye 2. Est-ce qu'on lui trade du board en fait en attaquant? C'est ça moi ma question. Bah il va bloquer comme ça, Eliode ne meurt pas, comme ça il se défausse, ça meurt pas. Là il donne là et là. Je crois qu'à 14 on vit encore si on a Umbercleave, on gagne encore. Même Donc faut s'il passe à passer. 4. Ouais, je crois qu'il faut passer le tour en fait. Allons-y Alonso, hein. Ah merde, je viens de voir la carte du dessus. Le dragon d'Orpon. Ça ne nous aide pas. Non. Comment ça, tu viens de l'avoir? J'ai un flash. Mec, 100% c'est le Murkrow. Maintenant. On va voir, mais j'ai vu Dragon d'Orpon, moi. 100% c'est une Murkrow. Sugoi Deska! Eh, bon, avec tout, je m'en fous. Si on gagne pas, c'est pas grave, au moins on aura mis Murkrow. Il peut donner lifelink à deux bêtes en plus. Je m'en fous. Ouais, Ok. mais À deux, c'est si bien. jamais tu taille braise, il gagne pas ses pev si tu lui mets les dégâts de double initiative. Ah, c'est vrai. Est-ce qu'il faut mettre sur un batailleur du coup? Pour faire quoi? Parce que là c'est plus 2, donc c'est 1, 2, 4 et 4. Attends. Taille-braise, plus 1, plus 1. Donc c'est une 2-2. Change-roc, c'est une 4-2. Donc ça fait 6 et 6. Tu les as curvés là. Sauf qu'il va gagner des pèves. Mais ce qui Sauf qu'il serait va gagner des pèves. incroyable, ça serait de faire blessure et que lui gagne des pèves et en réponse on tie-braise sur celle où il gagne des pèves. Mais c'est très tricky parce qu'il n'est pas obligé de gagner des pèves. C'est ce que je veux dire, il n'est pas obligé de nous rendre la priorité. Ou alors faut donner le piet à un truc qui a beaucoup de force, hein, genre Ouais, géant. mais ça suffit pas, je crois. Si. Je crois pas. Bah attends, si on donne à géant, admettons, vite avant que la cloque arrive. Si on donne à géant, on passe du coup 5, on passe 9 points en donnant à géant. Du coup. Ah non, on n'en passe que 1 plus. 5, 6, 7. On Donc on a passe 14 avec le 7 géant. points plus 2 avec Torbran. Donc on donne 9 points en tout, plus avec batailleur 12 points, plus avec. On met 15. Mais du coup, forcément, il va gagner des pèves à un moment, quoi. Oh, tu sais quoi, je mets tout. Mais Change attends, géant. mais tu sais que si vraiment legit il gagne des PV. On le tue. Et Parce en qu'il fait, il nous. faudrait lui mettre 14 en phase d'initiative pour pas qu'il gagne ses peuves. C'est tout. Et Sinon, il va non. les gagner. Ben non, pas si tu. Tu vois, il cible Sacre Lame, tu fais Non, mais il Taille-Braise. va donner des liens de vie là, liens de vie là. Il a déjà lien de vie là. Oui, non, mais Donc, en ça, fait, il il va va. gagner les autres liens de vie, mais tu Ouais. vas annuler une phase de lien de vie. Gratuitement. Mais non, parce qu'il va donner un indestructible. Ben alors, dans ce cas, tu le mettras sur une autre s'il donne lien de vie à quelqu'un d'autre. Non mais en fait, on peut pas le faire qu'il gagne pas de points de vie.
En fait, tu peux annuler. À part avec celle-là. Voilà, si cible aspirante. Ou celle-là, si on met là. Non, mais je crois qu'on met sur géant. Là, ça va me passer le tour, il faut que je joue. Ok, vas-y, mets sur géant. Parce que là, ça ne le tue pas. Est-ce que ça rend plus fort du coup? Bah, ça le fait gagner. Je peux faire suivant, en vrai. Bah Quoique. non, il faut que tu. En fait, il va sûrement donner le lifelink, mais... On prend deux. Je le C'est pas démonte. grave, ça. Ok. Après, il pouvait trouver des landes, quoi. Il était pas obligé de trouver Tout le temps, tout ce succession, qu'il quoi. faut. 5 et 9. Plus les autres points qu'on met, peut-être que ça suffit, non? On en met que 1. Ah mais non, mais on n'a même pas d'effet avec la silenciante, on n'a même pas les effets du batailleur lame-feu. De toute façon, il est pas mort. Mais le premier il est mort, on en avait deux. Ah ouais? Bah oui. Ah oui, bon. Ça m'était que 3, de toute façon, ça suffisait pas. Salut! Oh, c'était horrible cette game, gros. Ah, horrible! Horrible! Merde! Mais Mais au moins, il n'y a plus s'il le avait pas chevreau. sa bête indestructible, il donnait la flic à une bête, tu mettais Amberclive par-dessus et ça passait. Mais effectivement, il allait forcément la donner à la bête indestructible, quoi. Du coup, au début, vu que ces deux cartes qui jouaient ne sont pas synergiques, on aurait juste dû tuer la silenciante. Parce que cette 2-4, elle bloquait, mais elle n'était pas lifelink. Ouais, bah ouais, mais après on peut pas savoir que le mec joue des anti-synergies non Ah ben plus. non, parce qu'il aurait gagné des PEV à chaque fois qu'il jouait Nous une ne bête. savions pas. Nous ne Et savions nous ne pas. pouvions pas savoir. C'est vrai, ça. Non, on aurait juste dû lire les cartes comme d'habitude. Non mais attends, tu peux pas t'attendre à ce qu'un mec joue deux cartes qui se sentent Mais synergiques, quoi. non, jamais. Jamais, jamais. C'était un bait. Ouais, c'est pas grave, mais ça m'a plu quand même. En vrai, Oh ouais, on a booster. déroulé en BO3 et c'était cool. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, en plus, genre mono blanc gagne point de vie. Je peux pas croire que ce soit un deck qui soit très présent en BO1, hein, tu vois. Sauf si mono rouge est très 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 Non, bah, présent. c'est vrai que si mono rouge est un bon deck, c'est un bon Gunter, mais c'est sûr que ça n'a pas gagné contre Orion, quoi. Puis il stabilise à 1 PF, quoi. Il y a plein de top deck où il est mort, quoi. On va pas refaire le match, hein, mais bon. Non, mais Moi dommage. j'adore refaire le match. T'as dedans refaire le Passe ma match. vie à refaire le match. Putain. Trouver plein Est-ce que d'excuses. tu refais plus de matchs que tu n'en joues? Bon, c'est possible, je suis grand spectateur de compétitif plutôt que joueur, Donc c'est possible, ouais. donc je refais beaucoup de matchs, ouais. Eh ben super. En tout cas, Big Red, c'est quand même bien en BO3. Oh, mais même en BO1, Ouais, spoiler. même en BO1, ce sera bien. Là, juste, c'était moins bien, mais c'est bien quand même, quoi. Pouce bleu, commentaire, partagez haut, fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui régale juste et à dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire aussi, parce qu'on les lit tous, je le rappelle. Nos réseaux sociaux en description, Twitter, Facebook, Discord, avec notre chaîne Twitch, valpelmagicarena.fr. Et surtout, n'oubliez pas, c'était C'était de de la la belle belle magie. magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.